les approche, ou dira, ou tu diras, je n'y prends point de plaisir. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 2, le 21e verset. 2 Timothée chapitre 2, le 21e verset. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. 22e verset, la Bible dit ceci. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tout le monde ici, il y en a Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. 28e verset, la Bible nous dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes et gens, vos jeunes gens auront des visions. Soulignez pas. Ou soit la première objectif par rapport aux 4
ya kwanza tutaongea la première chose na kujua kijana nous allons savoir le jeune kijana le jeune anakuwa na kazi gani ndani ya kanisa il a quel travail dans l'église na anakuwa na maana gani ndani ya société il a quelle importance dans la société unajua nikwambie kitu vous savez j'aimerais te dire quelque chose kitu ambacho utaelewa quelque chose que tu dois comprendre kwamba hakuna mtu ambaye anatafutiwa kadri kwa hiyo ile ya dunia kama mwanadamu kama kijana que il y a personne qui cherche parmi les quatre coins du monde si c'est pas un jeune shetani kuna besoin à ma jeune le diable a besoin de jeune mungu kuna besoin à ma jeune l'église a besoin de jeunes. L'église a besoin de jeunes. Même le monde que nous vivons a besoin de jeunes. Alors la question que je me pose. Pourquoi le jeune? On le cherche parmi les quatre hommes. J'ai compris quelque chose. Le jeune. C'est quelqu'un qui est plus important. La face est marquée à voir les kijana. Et dans le milieu où tu ne vois pas. La seule ouais que ma doute. Tu devrais avoir des doutes. Ça ouais pour kijana. Parce que la grandeur du. On a quoi dans l'état ma badilico. Change de choses. Ouais pour kijana. La gloire d'un jeune. On a quoi dans pelé ta vie tomba. Amen de choses. Ouais pour kijana. La gloire d'un jeune. On a quoi un coup formé dans l'état. Donne une force. Ouais pour kijana. La gloire d'un jeune. On a quoi maon formé dans l'état. Donne une vision. Le roi ma coffre la vie. Qui t'y a pris cette chose. Il faut me t'être fondé. Ce terme nous allons parler. Qui t'y a signé ça dans la main. Une chose très importante. Il y a quoi le roi nini. Que nous devons comprendre l'église c'est quoi. Na nam na gani kanisa na wesa ina mbali. Et comment l'église peut avancer plus loin. Au nam na gani kanisa les appeler ça mon. Comment l'église peut aboutir. À donner une plaisir à Dieu. Qui tu as tout? Troisième chose. Amen. Sois-moi ta fondation. Que ce thème va nous parler. La cima tout joué. Nous devons savoir. Kwamba kungana. Par l'union. Kungana. Par l'union. Il a quoi la fondue mambo makubwa. Ouvre des grandes choses. La face il compte pour nyakuna kungana. Et là où il n'y a pas de l'union. Pour la vie, ton vieux est généré. Il n'y a pas de choses qui tiennent. Il n'y a pas de choses qui tiennent. Alléluia. Amen. Et Iman. Amen. Mais fais tes visions là. Suis-moi très bien. La taka fait moi ici. Je m'aimerais ouvrir cette terre. Que tu as quoi ça dans ta ouvrière. Que première chose que je vais parler. C'est quoi la jeunesse. C'est quoi la jeunesse. Qui a montré quoi pour la figure de Kita. Tout le monde qui est ici, je pense qu'il est jeune. Ça va pour la montre qu'on a 60 ans. Parce qu'il n'y a personne qui a 60 ans. Qui a montré quoi pour que Chini, il y a 40 ans. Toute personne qui est ici est en bas des 40 ans. Pour la quoi tu l'ouvrière, ça aide, tu es au diable. Alors nous allons parler plus. De la jeunesse. Ujana, la jeunesse c'est quoi? Quelque chose que tu dois comprendre pour la jeunesse. Kwamba, jeunesse est une période. La jeunesse est une période. Ameko katikati ya utoto na utu uzima. C'est une période de l'enfanterie à l'adulte. Amen. 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 Na utaelewa ya kwamba. Tu dois comprendre. Katika hii wakati. Dans cette période. Ni wakati ambao karakterize na vitu vya Mungu. Wakati wa ujana dans la jeunesse uko caractérisé na mambo mengi et caractérisé par plusieurs lakini mwa mambo mengi parmi ces plusieurs choses kuna mambo mbili tu ametagusia. Il y a deux choses que j'aimerais parler. Ninapoongea juu ya jeunesse parce que je parle sur la jeunesse premièrement mimi naona juu ya force. Premièrement je vois la force. Nikaongea juu ya jeunesse si je parle sur la jeunesse deuxièmement mimi naona vision. Je vois la vision. Voilà pourquoi mon livre est Joël chapitre 2. C'est pourquoi dans Joël chapitre 2, les 28 et verset. Au verset 28, il dit dans ce matin. La Bible déclare. Après cela, ni ta moindre rome. Je répandrai mon esprit. Ni la tout qui pète dans toi. C'est que j'aime. Vidiana. Le jeune. Watapata ma onya. Ils verront des choses. Ou ils auront des visions. Yali ma onyo. Les visions. Aïko destiné pour passer. C'est pas destiné aux vieux. Maono. Les visions. Aïko destiné pour toi. C'est pas destiné aux enfants. Ceux qui ont des visions. Les vidjana. Ce sont des jeunes. Kijana bila maono. Un jeune sans vision. Directement identité à qui a changé. Il change d'identité. Yali qui n'a tofanya kijana. Ce qui fait qu'il y a un jeune. Ni mambo ambaye anaona. C'est ce qu'il voit. Kinachofanya kijana. Ce qui fait un jeune. Ni nguvu ambaye anaonesha. Ce sont la force qui lui représente. Ce qui
Écoute-moi très bien. Il n'y a personne qui peut te respecter. Comme un jeune. Par sa beauté. Il n'y a personne qui peut te respecter. Comme un jeune. Parce que tu as une éloquence. Mais on va te respecter. Par rapport à ma honte, on a eu. Wakati na ti accompli. Qui s'accomplit? Demande à ton voisin, est-ce que tu as une vision? C'est des choses. Parmi les causes. Ce sont parmi les causes. Amen. Afaya mungu atafute sana bitana. Qui fait que Dieu cherche les causes? Naimamba mawili. C'est pour des choses. Parmi les causes. Ce sont des causes. Amen. Afaya shetani vile vile. Qui fait que le diable. Akwe na besu ya bashen. Cherche les jeunes. Force. Force. Vision. Demande à ton conseil, est-ce que tu as la vision? Maonyo est où qu'on a? La vision que tu as. Dieu t'a voulu te aussi, ma tête. C'est ça qui va t'apporter la gloire. Maonyo qu'on a. La vision que tu as. Dieu t'a appelé car qu'on a peiné ton fils. C'est ça qui peut te pousser. Maonyo qu'on a. La vision. Tu vas nous apporter un membre mais au Guinée Hawan. Tu peux te donner des choses que les autres n'ont pas. Ce que les gens vont dire. Écoute-moi très bien. Shétan, le diable, a combattu que n'importe qui. N'importe qui. Mais les diables combattent les visionnaires. Ceux qui ont des visions. Qui la les visionnaires. Toute personne qui est visionnaire. Shétan le combattre. Le diable cherche à le combattre. Qu'on a vite traversé. Il y a d'autres combats que tu mais par rapport à la vision. C'est par rapport à tes visions. Qui la moutre à l'ouest à quoi la vision comme chien. Tout le monde peut avoir des visions comme chien. Le problème est avec la vision. Mais le problème n'est pas la vision. Le problème est l'accomplissement. C'est l'accomplissement de la vision. Qui la moutre n'a pas la force. Tout le monde peut avoir la force. Mais le problème est avec la force. Mais le problème c'est le problème est le produit de force. Mais le problème c'est le produit que la force a produit. Oui, ça m'a force et à quoi tant que j'aime. Demande à ton voisin, quelle est ta force en tant que jeune. Force et à quoi ma fille qui t'aime. Quelle est ta force en tant que jeune. Force, nous voyons quoi ma qui t'aime. Ta force en tant que jeune. On a été qui ça va. Et tu utilises où. Là, il a produit les livres. Et ça produit quoi. Pour la wagine, un goût fouillard. Il y a d'autres gens, leur force. On a été qui ça en futilité. Il utilise dans des choses. Wagine, un goût fouillard. Les autres, leur force. On a été qui ça en dernier ça. Il s'utilise dans le péché. Amen. Amen. Tu utilises ta force. Oui. Après, on a mis ton passer ma belle. Là, il y a une personne qui va pousser le cri. Et bon, on m'a confié la vie. Pousser le cri. Yanni, la cime à Kijana. Tu devais comprendre, Dieu. Goufou Yak. Sa force. Aïe, tout mille sana. Pigana, ma homo. Souvent, pour que la vision s'accomplisse. La cima est tout mille sana. Tu dois utiliser. Tena na ongea sana. Encore plus. Il combat ma onyo ya kouti. Pour que sa vision puisse. Qui la siku yote ma onyo mungu al kumbiaka kudune ya timirika. Chaque fois que la vision que Dieu t'a mise. Hawa yisou prene sa mou. Ne peut pas plaire à Dieu. Nisa yali yompa yisou ma kofi na vile gen. Amen. 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 Dis à ton voisin vision. Alléluia. Amen. 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 Il y a quelque chose que j'aimerais parler qui va t'aider. Comment est-ce que ma tchatche pour soutien. Par le petit point et petit minute. N'a peine à Shaouli en maillot Salomon. J'aime cette proverbe qui est Shaouli. Il connaît Shaouli à Vita. Il est en train de parler sur le jeune. Dans l'Ecclésia chapitre 11. Dans l'Ecclésia chapitre 11. Les 9e verset. Jusqu'au 10e. Salomon. Salomon. Nikitiana en maillot. C'est un jeune. Allez parvenir pour pas ta lèvre. Il a pu parvenir à avoir la grâce. Il y a quoi accomplir ma honne au monde à l'Ouest Canada. Il a accompli la vision que Dieu a mise en lui.
Lorsqu'il a accompli la vision que Dieu a mise en lui, c'est là où il a eu la sagesse et l'intelligence de conseiller les autres. Hauwezi shauria mtu mwenye anatamani kuweza na ulishindwa. Tu peux pas conseiller quelqu'un qui veut réussir et toi tu échoues. Hauwezi shauria mtu mbaya anatamani kwenda mbali na wewe hauendi hata fasi. Tu peux pas conseiller quelqu'un qui veut aller de l'avant et toi tu n'as jamais allé. Il m'a shauri ya Salomon ni bariki roho yangu. Les conseils de Salomon m'a béni pas en particulier. La première chose que Salomon a dit, furahia ujana wako sana. Réjouis-toi de ta jeunesse. Sa, hakuna wakati wa kufurahi. Car il n'y a pas le temps de se réjouir. Kama vile wakati wa ujana. Quand dans le temps de la jeunesse. Kama vile wakati wa ujana. Dans le temps de la jeunesse. Walio wakati wa ujana. Dans le temps de la jeunesse. Hapa ndipo mtu anakuwa na umbile ambayo inatakiwa kufurahi. C'est lorsque quelqu'un a une joie et a un désir de vouloir se réjouir. Wakati wa ujana, dans le moment de la jeunesse, ndiko mtu anakuwa na milango iko wazi ya kufanya kitu chote anataka. C'est là où les portes s'ouvrent et il fait des choses qu'il veut. Na mjomba mara mingi tunaona watu ambao walivuka hii etape ya ujana, les gens qui ont dépassé ce niveau de la jeunesse, wanakuwa watu wazima. Ce sont des gens responsables. Sasa wakianza kufanya mambo ya ujana, alors s'il revient encore de faire des choses, anaita retour d'âge. Donc il fait des retours d'âge. Yani kijana, donc il y a un jeune, lazima il doit akuwe na wakati wa kufurahia ujana wake. Chercher le temps de na Salomo anayongea na sema, alors Salomo le dit, furahia sana ujana. Réjouis-toi de ta jeunesse. Kama ufurahie mu ujana utafurahia. Si tu n'es pas content de ta jeunesse, tu ne peux pas te réjouir. Kwa nini ufurahi? Pourquoi se réjouir? Sababu kuna nguvu. Parce que tu as la force. Kwa nini ufurahi? Pourquoi se réjouir? Sababu kuna naona. Parce que tu as la vision. Wakati wa ujana, dans le temps de la jeunesse, mtu anaweza fanya kila kitu anataka. Tu peux faire tout ce que tu veux. Wakati wa ujana, dans le temps de la jeunesse, mtu anaweza enda kokote anataka. Tu peux aller là où tu veux. Lakini ambacho Salomo anaongea chini, mais ce que Salomo dit, usisahau kwamba, n'oublie pas, muumba wako yuko. Hata kama unaweza furahia ujana, même si tu peux te réjouir, hata kama unaweza fanya chochote unataka, même si tu peux faire toute chose, usisahau ya kwamba, n'oublie pas, muumba wako yuko. Créateur est là. Sababu kama kijana atakuwa na nguvu, si un jeune a la force, kama kijana atakuwa na maono, si un jeune a la, ni kwa sababu kuna mtu ambaye, parce qu'il y a une personne, aliweza kufanya kwa hivi, qui a voulu lui faire comme ça. Na usimsahau. Et ne l'oublie pas. Alléluia. Amen. Te bois dans ma couche. Que Dieu a pris la main et t'es fou. Deuxième chose. Dieu a unité. Je me répète, des unités. Amène-moi ça pour unité. Unité. Alléluia. Amen. Faites vis sous. Première chose que tu devais comprendre par rapport à l'unité. Kwamba l'unité égale aussi la force. Égale aussi la force.